Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de la construction de notre ordinateur dans Minecraft, ordinateur 16 bits et objectif rapidité. Alors aujourd'hui, on a sorti la hache de guerre, on va se faire notre UAL 16 bits, unité arithmétique et logique. Alors le principe est simple, là on a fait à l'épisode précédent une UAL 1 bit, on va donc la dupliquer 16 fois pour avoir une UAL 16 bits. Alors c'est assez simple à dire comme ça, c'est un petit peu plus difficile à réaliser. Première chose à faire, ça va être d'avoir une hauteur assez faible et on va viser les 5 blocs. Donc là on a 1, 2, 3, 4 et 5. Le cinquième en fait c'est pris par la redstone qui est sur les petits ponts. Et on a ce fil bleu là qui vient nous mettre le bazar parce qu'il ne fait pas les 5 blocs. Le fil bleu est ici un peu du gris. Alors on va lui faire de la place à ce fil bleu. Comme on a de la largeur, hein, les deux ou exclusifs ici sont les endroits les plus larges. On va pouvoir pousser une partie du demi-additionneur jaune à gauche de deux blocs pour pouvoir faire passer ce et ici entre les deux. Je pense que c'est là où c'est le mieux. Hein, ce fil-là, c'est le retour de la retenue en sortie aussi du et, mais du deuxième demi-additionneur qui revient ici pour faire la sortie de la retenue. Allez, on s'attaque à ça tout de suite. Et voilà qui est fait. Alors, je l'ai testé, j'ai mis les deux entrées à 1 là. Et la retenue, l'entrée de la retenue à 1 aussi. J'ai 1 en sortie. Là, et j'ai 1 en sortie de la retenue pour le bit suivant. Sur le fil bleu, fallait pas oublier de rajouter un répétiteur parce que c'est trop long pour accéder au multiplexeur. Donc, on a bien nos 5 blocs de large, d'épaisseur. Donc, on va pouvoir tout de suite attaquer notre duplication et on va aller voir sur un schéma comment ça va se goupiller. Alors désolé mais j'ai pas eu le temps de faire un joli schéma sur fond bleu comme je fais d'habitude, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà le schéma de notre UAL. On veut faire des piles parce qu'on veut pas s'étaler en largeur, hein, elle est trop large déjà pour 1 bit, et on a deux possibilités, soit on fait comme on veut 16 bits, soit on fait 4 piles de 4, ou soit on fait 4 piles un peu bancales avec 2 piles de 5, 2 piles de 3. Alors pourquoi un nombre impair? Parce que si on prend la retenue, hein, qui est sur le fil, la ligne continue ici, elle va sortir du bit 0, et elle va aller dans le bit 1. Pareil pour aller pour le bit 2, le bit 3, le 4. Et là, hop, on va pouvoir passer au 5 comme ça, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Si on avait un nombre de piles avec un nombre pair de bits, pour les sorties, à un moment donné, il aurait fallu faire un grand pont entre deux piles. Alors on va essayer comme ça, hein, j'ai pris cette option. Au niveau des pointillés, on va avoir les micro-opérations, hein, qui vont partir, mettons, du haut là, du point central, et qui vont aller arroser comme ça chaque bit. Hein, on en a 6 à chaque fois, 0A, 0B, négation A, négation B, la fonction est négation de la sortie. Allez, on retourne dans Minecraft pour aller voir comment on va aller goupiller ça, sachant que tout de suite on va voir que on a le même côté pour le bit 0, la sortie, et pour le bit 1, on aura l'entrée qui sera du côté de la sortie. Il va donc falloir quelque part inverser le sens de notre UAL 1 bit pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors, au boulot, il faut qu'on ait nos entrées des micro-opérations du même côté que de la sortie des retenues. Donc la sortie, elle est ici, de la retenue. Celle-là, c'est OK. Celle-là, c'est OK. Hein, c'est la fonction. Ça, c'est la négation de la sortie. J'ai la négation A qui est OK. Ici, je vais pouvoir dériver. Tac, 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 tac. Il faut de la laine rouge.
si je le mets au même niveau que l'autre. Donc ça c'était ZA 0A. Et je peux lui mettre un petit toc. Et je vais avoir des soucis pour B en fait. La négation B qui est ici, qui est carrément de l'autre côté, mais on va pouvoir la faire sortir là en fait. Hein. C'est bien négation B. Hop, hop. Puis au moins. Non. Alors il faudrait. Je vais la faire par C. Juste là, ça devrait être impeccable. Il faut se méfier avec les pistons. Hein. Par contre, j'espère qu'au niveau de la longueur, ça va être bon. Hop. Négation B. Ah zut. Ça va pas jusqu'ici. Alors là, il y aurait un truc, ça serait de faire rentrer en fait la négation B ici. Et là, ça devrait aller parce que ouais, j'ai assez de distance. Le faire rentrer sur ce point-là. Et faire rentrer les deux extrémités avec la sortie du E. Donc en le décalant éventuellement de deux blocs par ici pour que lui ouais, puisse rentrer, qu'on fasse un petit pont. Bon, je vais faire ça hors caméra. Et ici la sortie rouge, ben on va lui faire un petit pont au-dessus pour arriver. Juste là, et là on aura ZB. On pourrait optimiser un petit peu plus la place, hein, mais il y aurait certainement moyen de gagner un peu en les mettant dans l'autre sens ou des trucs comme ça, mais on va pas chipoter pour deux blocs. Alors je fais ce déplacement là, et puis on se retrouve après. J'ai mes 6 entrées des micro-opérations du même côté, la sortie de la retenue. J'ai recopié toute cette UAL ici à côté. Alors, l'avantage avec la commande copy paste, alors là je les ai actionnés donc on va pas le voir, mais toutes les têtes, tous les corps de piston étaient positionnés, mais c'était les têtes qui avaient disparu. Mais en les actionnant, clac clac, elles se sont bien réactivées et bien affichées normalement. Donc c'est pas mal. Alors on va imaginer que ça c'est l'UAL du bit 1, ça c'était celle du bit 0, donc celle-là va venir au-dessus de sa petite camarade à gauche, et logiquement à partir d'ici je dois avoir inversé l'entrée et la sortie de la retenue, c'est-à-dire que ma sortie doit être ici et l'entrée doit être à gauche pour correspondre à la sortie ici qui est à gauche. Donc ça veut dire qu'il faut que j'inverse tout le demi-additionneur en fait, hop, que je le bascule par ici. Et ça, avec WorldEdit, c'est la commande flip. Alors je vais faire ça tout de suite. En fait, ouais, je vais me reprendre le bloc. Un bloc de lapis. Ça va me faire une référence. Hop. Je vais tout prendre. En fait, je vais tout inverser. Hop. Je vais me positionner là. Je fais un cut. Wow. Ah, j'ai perdu des. Ça c'est galère.
Je vais l'inverser donc dans le sens ouest. Flip ouest. Ah tiens, ah oui, le cut. Bon. Et je le recolle. Ah ouais, mais du coup. alors, est-ce qu'il est bien inversé? Ouais, le petit pont était à droite, là il est à gauche. Mon entrée, ouais, c'est impeccable. Il faut juste que je le repositionne au bon endroit, c'est-à-dire que ça soit en face de ça ici. Ah, par contre, là, là c'est le corps qui a disparu. Oh, ça va être galère, ça. Bon, je compte le nombre de blocs qu'il me faut. Je vais mettre une autre laine. Je vais pas mettre une laine. Tac. Donc là, il faudrait que je déplace de... je sais plus comment était ma sortie. Ouais, ça doit être contrôle vert. Donc ça doit être... Ça doit être ici. Donc, faut que je déplace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je fais... je vais me déplacer ici 18. 1, 2, 3. Oh, ben vous savez quoi? Ah ouais, mais non, parce que là, si je fais un undo, après il va me démonter celui-là. Donc je le déplace à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je fais un undo. Je refais mon past. Poc. Et c'est nickel. Et là, ce coup-ci... Non, ils ont toujours pas... Alors, on va essayer de les activer pour voir s'ils réapparaissent ou pas. Alors, là, ils ont carrément disparu. Bon, ben, on va se les rajouter à la main, hein, en essayant de pas en oublier. Le fait qu'ils soient retrouvés par terre, c'était pas une bonne chose. C'était pas bon signe. Alors que quand j'avais fait ma copie, ils n'avaient pas été par terre. D'ailleurs... il y en a plein à nouveau là. Bon ben je remets tout ça d'aplomb et on se retrouve. Bon c'est bon je pense. Alors bon c'est sûr que je galérerais moins si je pouvais éditer, si je pouvais utiliser je pense MC Edit. Mais je suis sous Linux et j'arrive pas à le faire fonctionner. Il me demande des paquets à installer. C'est galère. Alors tant pis. Donc maintenant le problème c'est que j'ai mes deux entrées de micro-opération, la fonction et la négation de la sortie, qui sont pas du bon côté. Alors elle, c'est pas un souci. Hein. On va la mettre ici. Elle par contre, on a un inverseur. Alors on peut lui faire faire un petit pont. Surtout qu'on a de la place. Oh, ben on a tellement de place que l'inverseur, à la limite... Ouais. On part d'ici. Hein. Et lui, c'est donc fonction. Un inverseur, c'est 3 hein, de... Donc là j'ai largement largement la place de le mettre. Ouais, j'étais un peu optimiste sur ce coup-là, lui.
Donc lui... non mais je suis vraiment pas bon moi. C'est pas ma journée. Là c'est ça. Ça c'est ça. Et... tac tac. Voilà, on part directement au-dessus. Donc allumer. Ah non non mais je fais n'importe quoi. Là il sort ici et ici j'ai un bloc en dessous. Voilà. Ah ouais, mais alors là, du coup, ça va pas aller... Non, ça va pas aller. Si je le mets là, j'ai peur que ça soit juste après pour mes sorties... Bon, on va trouver une solution hors caméra et on se retrouve après. J'ai réussi à caser le truc. Comme on a de la place, ici, j'ai mis l'inverseur complètement à gauche. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est aux entrées. L'entrée inversée doit être avec le résultat de l'opération. Et l'entrée directe doit être avec le résultat du « et ». Il faut que pour chaque UAL, un bit, ça soit la même chose. Sinon, on aura des résultats complètement incohérents. Donc là, un petit répétiteur pour relancer le signal. Ça, ça n'a plus lieu d'être. Et c'est bon. Donc on va pouvoir se la copier, celle-là, juste au-dessus de celle-là. Alors, ce qu'il faut faire gaffe au niveau de l'intervalle, c'est que quand on a des pistons, si on a des fils au-dessus, là, c'est éteint, donc il marche normalement. Mais s'il est allumé, celui-là est bloqué. Pourquoi ? C'est la quasi-connectivité qu'on avait vue dans je ne sais plus quel épisode. Je vous l'écrirai, je rechercherai et je vous l'écrirai. Quand lui est allumé, en fait, il active ce piston-là. Si je le coupe là, il n'y a rien qui bouge. Mais s'il y a une modification dans son entourage, hop, il va se rétracter parce que là, il n'y a plus de courant. Donc il faut faire attention à cet espace. On a des pistons un petit peu partout à ce niveau-là. Donc il ne faut pas qu'on ait... concrètement, il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation là, sinon ça ne marchera plus et à ce moment là il faudra tout relever d'un cran. Donc je copie, je fais plusieurs essais et on se retrouve. Alors voilà la copie, je me suis décalé alors de 5 blocs en hauteur et de 5 blocs vers l'arrière. Ce qui va me permettre de faire les liens entre les blocs de commande par des escaliers. Alors, quand je fais un copie, c'est ça que je vous montrais tout à l'heure, enfin que je voulais vous montrer tout à l'heure, on a les corps, mais pas les têtes. Mais si, là par exemple, il faut que je fasse un petit pont. Donc j'ai coupé l'alimentation et hop, c'est apparu. Donc il suffit d'activer une fois tous les pistons et ils se mettent à réapparaître. Donc je vais continuer comme ça. Il faudrait que j'en empile 5 les uns sur les autres. Donc là, au troisième étage, je vais recopier celui-là et je pense que je vais repartir comme ça. Ça va faire un zigzag. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est la durée la longueur en fait des chemins, parce que là par exemple j'ai un chemin très long et je pense qu'il va falloir que je rajoute un répétiteur dans le coin. Ça va pas être très... ouais, il va y avoir du taf. Allez, on se retrouve quand on a nos 5 étages. À petite étape intermédiaire, on est à 3 étages. Alors j'ai changé un peu le système.
parce que je galérais trop avec mon décalage. Et ce que je vais faire, c'est un système comme ça pour transmettre aux 5 étages les micro-opérations avec un répéteur entre les deux. Alors sur les 3 premiers étages, ça marche. Comme ici, ils sont regroupés par deux, j'arrive à transmettre. Maintenant, il va falloir que je passe l'étape difficile ici. Au niveau des retenues, ça marche impec. C'est super simple. Il faut juste relancer le signal parce que là, après, il faut que ça traverse et que ça aille là-bas au bout. Et à l'inverse, de l'autre côté, hop. Alors, ça devient un vrai labyrinthe. À l'inverse de l'autre côté, hop, on récupère le signal qui doit partir par là. Alors j'ai testé l'addition là sur mes 3 bits et ça marche. Donc eh ben, je continue et on se retrouve tout à l'heure. Et en plus, bon ben là je ferai un truc symétrique pour avoir les choses de l'autre côté. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, à toutes. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Alors j'ai un peu sous-estimé le travail qu'il y avait à faire, hein, surtout au niveau du raccrochage de tous les trucs sur le tableau. Alors je vais pas faire du high suspense, malheureusement ça ne fonctionne pas. J'ai de gros effets de bord avec mes pistons. Normalement ici avec cette fonction là j'ai mes 0, mon entrée 0A et 0B, donc je devrais avoir tout à 0. Bon, c'est pas le cas. Si j'inverse A après l'avoir mis à 0, je devrais avoir tout à 1, puisque je devrais avoir moins 1, donc qui se représente par tous les bits à 1. Et là donc tous les bits à 0. Alors si on peut aller voir un type d'erreur, sur le bit 5 ici. Alors le bit 5, c'est celui qui est au non, c'est le bit 4. Hein. C'est celui qui est au-dessus là. On voit qu'il est allumé. Et il est allumé parce que il y a la retenue ici qui, elle, est allumée alors qu'elle ne devrait pas. Et pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il y a un bloc qui s'est décollé. Donc il est allumé à tort. Et une autre sorte d'exemple. Sur le bit 6, ici le signal en entrée là, de ce répétiteur est off et en sortie il est allumé. Donc ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, sur les retenues, ouais, c'est des effets de bord. Comme on passe, en fait, c'est le résultat d'un bit qui va influer sur le bit suivant, sachant que lui-même va influer sur un autre bit, tout ça en instantané. On a nos pistons, c'est trop fragile, hein. On doit recevoir des signaux qui font un tic, voire moins d'un tic, et pouf, ça ne prend pas en compte le résultat. Donc, on va essayer quand même parce que vu le boulot qui a été fait, on va quand même essayer de trouver ce qu'on peut bien faire pour que ça marche. Essayer de le faire marcher. Sinon, bah, faudra trouver une autre solution. Alors, je vais vous mettre quand même la map en téléchargement, hein. Si vous avez des idées de ce qui cloche, de ce qu'il faudrait faire pour réparer, n'hésitez surtout pas. Alors, quand je suis caché, quand je suis pas en visuel, au niveau temps de réponse, je suis là à 60 FPS. Tac. Tac. 55, 39. J'ai 253 chunk update. 41 FPS. Sur ma bécane, hein, ça morfle pas trop. Alors sur les petites machines, je l'ai testé sur une petite machine, c'est une horreur. C'est dommage, hein. Ça passait, c'était beau. Mais bon, ben, on va pas se décourager pour un petit souci comme ça, et on va continuer de plus belle.
Allez, je vous laisse là-dessus et puis eh bien on se retrouve pour la suite des aventures. Allez, à bientôt. Salut!